Bonjour, chère Maï vivante, bienvenue dans cet espace de tricot méditatif. Bienvenue dans ce moment de recueillement, de méditation, comme une prière intérieure, depuis la douceur de votre cœur. Et je vous invite à tricoter quelques mailles pour revenir dans l'instant présent, vous recentrer. Et tout en continuant de tricoter, je vous invite à vous rappeler que en vous, il y a une part de votre être qui est très 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 lumineuse, inspirée, inspirante, votre âme. Votre âme à l'intérieur de vous a plein de qualités, de ressources, de lumière. Alors tout en tricotant, imaginez, ressentez à votre manière que votre âme est là ou que vous l'appelez pour être là avec vous à cet instant. Dans votre âme, il y a le rêve pour vivre au plus juste cette incarnation, pour que vous y déployiez vos talents, vos qualités, vos ressources. Sentez que, tout en tricotant, vous êtes au service de votre âme pour concrétiser dans la matière, dans le concret, ses rêves, ses projets, ses aspirations. Alors, tout en tricotant, vous pouvez dire intérieurement sur chaque maille « Mon âme, je suis à ton service. » Pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Et vous pouvez le dire avec le tempo des mailles que vous tricotez. Mon âme, je suis à ton service. Pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Et tout en tricotant, vous pouvez continuer à parler à votre âme et lui dire par exemple « Mon âme, mets tes mains énergétiques dans mes mains. » Et vous pouvez le dire intérieurement en le ponctuant avec chaque maille que vous tricotez. « Mon âme, mets tes mains énergétiques dans mes mains. » Et vous pouvez dire à votre âme, tout en tricotant, par exemple, je mets mon regard dans ton regard. Je mets mon regard dans ton regard. Et puis par exemple, mon âme imbibe ton souffle dans mon souffle. Mon âme imbibe ton souffle dans mon souffle. Et encore, mon âme prend les commandes. Mon âme prend les commandes. Je suis à ton service.
mon corps, mon âme, que résonne ta vibration d'amour, de sagesse, de lumière dans chacune de mes actions. Mon âme, que résonne ta vibration d'amour, de sagesse, de lumière dans chacune de mes actions. Et vous continuez à tricoter sans mot particulier, sans intention particulière, dans la conscience de ce qui se passe en vous là maintenant. Et vous faites une pause, fermez vos yeux, ressentez votre ambiance, ressentez votre relation à l'ouvrage. Et à nouveau, je vous invite à tricoter dans la conscience que cela respire en vous. Et je vous invite à dire sur chaque maille, comme un tempo que vous vous donnez avec douceur, en disant « Le divin en moi salue et honore le divin en tout et partout. » Donc vous tricotez en disant avec beaucoup de douceur, de tendresse, depuis votre cœur. En sachant que votre âme est là avec vous, qui tient vos mains, qui met son regard dans votre regard. Le divin en moi salue et honore le divin en tout et partout. Et si d'autres mots vous viennent, vous les accueillez et vous les dites intérieurement, tout en tricotant, avec ce tempo de l'action qui émane de votre cœur. Le divin en moi salue et honore le divin en tout et partout. Vous œuvrez depuis une partie plus lumineuse de vous-même et vous émanez votre énergie vers ce qui est au-delà des personnalités, des égos, vers ce qui est le plus lumineux en chaque être vivant. Vous honorez le sacré, le miracle de la vie,
l'incarnation de l'âme. Et vous continuez de tricoter sans mots particuliers, sans aucun son particulier, juste dans l'accueil de ce qui est là en vous, pour vous, tout en tricotant. Accueillez peut-être le sourire qui monte en vous. Laissez les commissures des lèvres s'étirer vers vos oreilles, tout en tricotant. Et en sentant que cela respire en vous. Relâchez l'ouvrage, fermez vos yeux, ressentez votre ambiance intérieure. Goûtez à ce moment dans ce ressenti qui peut se faire avec encore plus de douceur, de délicatesse, de quiétude. Votre âme est là en vous, avec vous. L'énergie sacrée est là qui vous imbibe, qui émane de vous, qui rejoint le sacré en tout ce qui est, tout autour de la terre. Remerciez intérieurement vous-même, votre âme, le vivant, la terre, les éléments de la nature ou tout autre. Autorisez-vous à vous déposer dans une énergie intérieure, qualitative, inspirante et nourrissante pour vous, rassasiante. Vous faites vaste pour que le nectar de votre essence essentielle, primordiale, émane de vous dans tout ce que vous allez entreprendre désormais, où que vos pas vous guident désormais, dans vos rencontres avec les autres, avec vous-même, pour recréer de nouvelles relations encore plus nourrissantes, enrichissante, créative, harmonieuse. Voilà, goûtez encore cette ambiance quelques instants. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et c'est vous, à votre rythme, quand cela sera le bon moment pour vous, qui rouvrirez les yeux, vous lèverez et irez vaquer à vos occupations, nimbés de cette énergie qualitative et inspirante, lumineuse.